Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son sein lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Jésus-Christ, Esprit du Dieu vivant, révèle-moi Jésus, conduis ma vie. Saint-Esprit, sans toi, ma vie n'a pas d'essence. Je prie tout par toi qui me fortifie. S'il te plaît, jamais ne me laisse, jamais ne me quitte. Apprends-moi à aimer Jésus, apprends-moi à prier. Tu sais, j'ai tellement besoin de toi. Mon bonheur. Bonjour Saint-Esprit, sois le bienvenu. Je t'aime. Esprit de Jésus-Christ, Esprit du Dieu vivant, réveille-moi Jésus. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec un grand plaisir, une grande joie que nous allons commencer notre émission pour l'année 2024. Que Dieu vous bénisse, que Dieu réalise vos rêves. Et bien sûr, je profite pour vous faire mes voeux de nouvel an. Que cette année soit une année de prospérité pour vous. Que Dieu puisse réaliser, bien sûr, tous vos rêves. Vous savez, la meilleure manière de vivre
sur terre est se vivre avec Dieu. Vivre en obéissant à la parole de Dieu. David est dit dans le psaume 23, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Je crois que lorsque nous faisons nos vœux de nouvel an, nous souhaitons le bonheur pour tous les hommes. Nous souhaitons le bonheur à nos parents, nous souhaitons le bonheur à nos frères, nous souhaitons le bonheur à nos époux, nos épouses. Mais, comme on dit, les paroles seules ne mènent à rien. J'entends tellement les gens dire « bonne année, mais… » Enfin, en fin de compte, chaque année, nous dansons, nous souhaitons une bonne année, mais il y a des gens qui vont de pire en pire. 25 ans de vie, 25 ans de médiocrité. D'autres, c'est 60 ans de vie, 60 ans de médiocrité. Médiocrité sentimentale, médiocrité spirituelle, médiocrité financière. 60 ans et 60 ans de souffrance. Mais je ne crois pas que Dieu nous a mis dans ce monde pour souffrir. Dieu ne vous a pas créé pour la souffrance. La première chose que vous devez savoir, Dieu ne vous a pas mis sur terre pour que vous puissiez souffrir. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez souffrir. D'ailleurs, Jésus-Christ s'est dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé afin que votre joie soit parfaite. Donc, Dieu nous donne tout ce que nous voulons dans le but de nous voir joyeux. Dieu te veut joyeux. Dieu veut que tu sois joyeux. Dieu veut que tu puisses dire comme David, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Amen. Dieu te veut heureux. Dieu te veut béni. Voilà un peu ce que je veux te dire. Laisse Jésus prendre le contrôle de ta vie. C'est la solution que Dieu a trouvée. Vous savez, il y a des gens qui ont pensé que le mariage était la clé du bonheur. Mais quand nous voyons le nombre de gens qui divorcent, eh bien, il y en a trop peu qui sont heureux dans le mariage. Certains qui ont pensé que c'est le plaisir de la chair. Ils changent de femme, ils changent des conquêtes. D'autres ont opté pour le libertinage. D'autres veulent être libres échangistes. Mais, en fin de compte, ce genre de vie, quand ils font le bilan, je trouve qu'il n'y a pas le bonheur là-dedans. Il n'y a pas le bonheur. Bon, certains ont dit, se sont imaginés que le bonheur, on l'aura lorsque on aura beaucoup d'argent. Mais je peux vous dire, j'ai vu des milliardaires, mais qui ne sont pas heureux. L'argent est nécessaire, bien sûr. Si quelqu'un vous dit que l'argent n'est pas bon, c'est un menteur. L'argent est nécessaire pour nous tous. Mais ce n'est pas l'argent qui apporte le bonheur. Et je peux vous dire que le bonheur se trouve auprès de Jésus. Aujourd'hui, je voulais vous donner la clé. Je voulais vous montrer le chemin du bonheur. Toi qui cherches le bonheur, toi qui cherches la paix, toi qui cherches la joie, toi qui cherches la justice,
Donne simplement ta vie à Jésus et donne la première place à Jésus. Laisse Jésus te guider. Laisse Jésus te conduire sur le chemin de la vie. Laisse Jésus te guider et te conduire. Et tu connaîtras le bonheur. Tu te laisses Jésus te guider et te conduire. Voyez, les gens essayent de se marier, d'autres divorcent, d'autres se remarient. Mais en fin de compte, on constate que ces gens-là sont toujours malheureux. Ils sont malheureux, ils n'ont pas le bonheur, parce que sans Jésus, il n'y a pas de bonheur. Parce que sans Jésus, il n'y a pas de paix. Vous avez besoin de Jésus pour connaître la paix et le bonheur. Vous avez besoin de Jésus. Et faites un peu le bilan de votre vie. Faites un peu le bilan de votre vie. Faites un peu le bilan. Si vous êtes un coureur, faites un peu le bilan. Vous avez couru de femme en femme. Est-ce que vous avez trouvé la paix? Et plus vous avez des maîtresses, et plus vous avez des soucis. Voyez, ce n'est que perte de temps, perte d'énergie et perte d'argent. Je préfère avoir une femme heureuse que d'avoir quatre malheureuses. Vous comprenez? Une femme heureuse te communique le bonheur que tu as mis en elle. Mais quatre femmes malheureuses vont te casser la tête. Alors, nous sommes au moment de vœux. Il y en a qui ont déjà dépassé, le moment de vœux. Mais finalement, je me suis dit, mais tous ces vœux-là ne servent à rien s'il n'y a pas de véritable résolution. Qu'est-ce que tu as décidé de changer en toi, de changer dans ton couple, dans ton entreprise, dans ta vie, dans ton ministère, pour que l'année 2024 soit meilleure que l'année 2023. Qu'est-ce que tu as décidé? C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce que tu as décidé? Quelles sont les dispositions que tu as prises pour que les choses aillent de mieux en mieux? Voyez, chaque année, moi, j'ai l'habitude de faire un bilan spirituel de ma vie. Chaque année, je m'assois, je regarde ma vie spirituelle, je regarde toute ma vie et j'essaye de voir ce qui n'allait pas, j'essaye de voir ce que je dois changer et je prends des décisions. Je dis, je veux que, par exemple, l'année 2004, moi, j'ai décidé, par exemple, l'année 2024, c'est l'année où je vais me rapprocher plus de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que plus on est proche de Dieu, mieux on est. La présence de Dieu apporte la paix. La présence de Dieu apporte la joie. La présence de Dieu apporte la sécurité. Nous avons besoin de sa présence, voyez? Alors, il faudra que tu prennes des décisions pour que l'année 2024 soit la meilleure. Vous voyez? Pour que l'année 2024 soit une année de paix. Pour que l'année 2024 soit une année de victoire. Il faut que tu prennes des décisions concrètes. Malheureusement, la plupart des gens disent « Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. » Mais en fin de compte, les gens vivent toujours. Il n'y a pas de différence entre l'année 2024 et l'année 2023. C'est toujours les mêmes stupidités, les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Et en fin de compte, il n'y a aucune amélioration. Moi, je souhaite que l'année 2024, vous soyez la meilleure version de vous-même. Que vous ne soyez pas mieux que quelqu'un d'autre, non. Que vous soyez
la meilleure version de vous-même. Que vous puissiez vous améliorer, que vous soyez un meilleur époux, un meilleur papa, une meilleure épouse, un meilleur papy. Que l'année 2024, vous puissiez vous réconcilier avec les gens avec qui vous avez des contentieux. Voyez, Dieu nous appelle à vivre en paix. Vous devez vivre en paix avec tout le monde tant que cela dépend de vous. Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. Dieu est un Dieu de paix. L'année 2024, je vais me réconcilier avec tous mes frères et sœurs. Je vais être proche. Alléluia. Je vais être proche. Comme on dit, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. C'est pendant que nous sommes vivants qu'on doit s'aimer. Des fois, on attend que quelqu'un puisse mourir pour dire des belles paroles, pour rappeler des bonnes choses qu'il a faites, alors que des fois, nous avons besoin de l'attendre pendant que nous vivons. Alors, je voudrais surtout répondre à quelques questions. Il y a une dame là qui m'a écrit, qui m'a dit, « Pasteur, je me suis marié avec un homme parce qu'il était gentil avec moi, parce qu'il était attentionné, mais je n'étais pas vraiment amoureuse. Et je me suis dit, peut-être que ça viendra avec le temps. Peut-être que ça viendra avec le temps. Et je me suis efforcé. Maintenant, ça fait 4 ans de mariage. Je sens que l'amour ne vient pas. Et je ne l'aime pas. Et j'aime mon ancien copain. Qu'est-ce que je dois faire? On a déjà 2 enfants. Vous voyez, comme je dis, moi je pense que l'amour, c'est aussi une décision. L'amour, c'est une décision. L'amour, c'est décider de s'aimer aussi. Vous ne devez pas être immature, esclave de vos sentiments, parce que le monsieur, tu t'es engagé avec lui, par raison peut-être. Mais le mariage, c'est pour la vie. Hein. Quand tu as dit oui pour la vie, tu dois respecter le serment du mariage que tu as fait devant Dieu et les hommes. Tu dois respecter le serment du mariage. Et qu'est-ce que tu t'imagines? Même ceux qui se sont mariés avec des grands coups de foudre, combien de gens se sont mariés prétendant être le plus grand amoureux du monde? Aujourd'hui, ils ne s'aiment plus, ils ont divorcé. C'est pour vous dire que tu peux te marier avec un homme sans être amoureuse et demain l'amour vient. Comme tu peux te marier, t'engager avec un homme aujourd'hui parce que tu ressens quelque chose de grand, parce que tu as un grand coup de foudre. Et demain, en vivant avec la personne, les sentiments baissent et tu ne ressens plus rien. Donc alors voilà pourquoi je tenais à vous dire, les sentiments changent. Les sentiments, c'est des choses qui sont instables et qui changent. Donc, vous ne devez pas être esclave de vos sentiments. Et sinon, vous allez tout le temps divorcer. Sinon, vous allez tout le temps divorcer et tout le temps changer de mari. Mais la parole de Dieu nous demande la maîtrise de soi. Arrivez à dominer vos sentiments. Vous devez arriver à dominer vos sentiments. Vos sentiments ne doivent pas diriger votre vie. Vos sentiments ne doivent pas vous diriger. C'est à vous de diriger vos sentiments où vous voulez l'amener. Alors je dis à la dame, vous avez 2 enfants, 2 beaux enfants. Vous avez un mari qui vous aime, qui a pris soin de vous. Apprenez à l'aimer. Et demandez à Dieu qu'il mette l'amour dans votre cœur pour ce monsieur, votre mari qui vous aime, qui est fidèle. Et surtout, ne faites pas la bêtise d'aller avec quelqu'un qui peut-être ne vous aimerait pas autant.
Peut-être vous, vous avez des sentiments pour la personne. Est-ce que la personne aura des sentiments pour vous aussi? Est-ce que la personne vous aimera autant? C'est ça le problème. L'essentiel, c'est d'être aimé. Vous voyez, l'essentiel, c'est d'être aimé. Alors, j'ai une deuxième question. Une femme, toujours, qui me pose la question. Mon mari a une maîtresse. Mon mari me trompe. J'en suis sûr. Il a une maîtresse. Et j'ai envie de divorcer. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? Vous voyez, je voulais vous dire une chose qui est très importante. Vous savez, l'adultère, l'infidélité a plusieurs explications. Et je tenais à vous dire que l'homme fonctionne différemment de la femme. Vous voyez. Un homme qui te trompe ne veut pas dire obligatoirement que cet homme-là ne vous aime pas. Et c'est ça que beaucoup de femmes ne comprennent pas. L'homme est plus physique. L'homme peut sortir avec une femme sans l'aimer. L'homme peut aller coucher avec une femme sans avoir aucun sentiment pour cette femme, mais simplement parce que le corps de la femme lui plaît. Tandis qu'une femme équilibrée et normale ne peut pas sortir avec un homme sans avoir des sentiments. Et c'est ce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à comprendre. Voyez, c'est ce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à comprendre. Ils s'imaginent que mon mari m'a trompé, donc obligatoirement, mon mari ne m'aime pas. Donc, un homme qui te trompe, ça ne veut pas dire obligatoirement que cet homme-là ne t'aime pas. Parfois, il faut être patiente. Parfois, ça peut être une erreur de parcours, une tentation, et que il va s'arrêter. Ça peut être une crise. Moi, j'ai déjà vu une femme qui a piqué une crise de dépression. Un homme peut piquer une crise de dépression et tomber dans les travers. Ça peut être aussi la sorcellerie. J'ai vu des hommes ou des femmes qui ont été envoûtés, je vous dis bien envoûtés, et qui sont tombés dans le piège. Qu'est-ce que tu penses? Un homme ou une femme qui est charmé, bien sûr, certains parmi vous n'y croient pas. Que vous y croyez ou pas, ça existe. C'est de quoi je vous parle. J'ai vu des hommes comme des femmes qui ont été charmés. Donc avant de conclure, avant d'arriver à une conclusion, vous devez prier et analyser. Vous ne devez pas décider à la va-vite. Parce que l'infidélité a de multiples raisons. Il y a certains hommes comme certaines femmes, certains hommes qui peuvent même tromper sa femme parce que le monsieur a un vide affectif. Est-ce que toi, la femme, tu donnes à ton mari l'affection dont il a besoin? Et vous savez, il a été constaté que beaucoup des hommes trompent leur femme pendant les grossesses ou la première année de la naissance d'un enfant. Pourquoi? Parce que la femme, en général, quand elle a un enfant, elle rapporte toute son affection et son amour à l'enfant et elle commence à ignorer le papa. Et le papa se sent délaissé et parfois il est tenté d'aller chercher l'affection ailleurs. Donc l'adultère ou l'infidélité est complexe, c'est pas aussi simple que ça. Ça a plusieurs causes. Donc c'est pour cela il faut, avant de tirer une conclusion, prendre un temps de réflexion
et étudier vraiment si cet homme-là te trompe par vice, par faiblesse ou parce qu'il est charmé. Alors là, j'ai une question qu'on vient de me poser, que je vois encore une auditrice qui me demande. J'ai un mari qui est très, très violent et très colérique. Comment faire pour changer cela? Car cela devient de plus en plus insupportable et vivable. C'est vrai que la colère peut être accidentelle comme elle peut être caractérielle. Une colère accidentelle peut arriver à tout le monde. Quelqu'un qui pique une crise de colère dans certaines circonstances, mais la colère caractérielle, quelqu'un qui a des caractères colériques, c'est vrai que c'est difficile à vivre. Bon, en général, les gens sont colériques. Souvent, c'est dû au stress. Vous savez, un enfant qui, des fois, c'est dû à l'enfance aussi. Quelqu'un qui, depuis son enfance, a vécu dans une frustration ou dans une certaine condition sociale un peu difficile, elle peut développer un comportement colérique. Mais la colère, d'abord, la première chose, que cela soit une femme ou un homme, vous devez prendre conscience que la colère est néfaste dans tous les sens. Les gens montent le ton parce qu'ils croient qu'ils seront plus compris. Quand quelqu'un, dans un débat, dans une discussion, il monte le ton devant sa femme en général, c'est bien sûr, il y a aussi des femmes qui montent le ton devant des hommes. Mais très souvent, c'est l'homme qui monte le ton. Et parce que dans son inconscience, il pense que il sera mieux compris, que la femme va mieux comprendre. Et c'est une erreur. Et il faut que chaque personne colérique prenne conscience que la colère n'amène à rien. C'est pas parce que tu cries plus fort que tu es nerveux que ta femme va mieux te comprendre. Au contraire, le résultat est pire. Donc, la première chose, les gens colériques doivent comprendre, réaliser l'inefficacité de la colère. La colère, un, ça vous rend incompréhensible. La colère, deux, dissuade l'autre à ne plus parler. Supposons que tu es en débat avec ta femme et tu piques une crise de colère. Tu l'as fait peur. Automatiquement, elle s'était. Mais ce n'est pas pour autant que tu l'as convaincue. Ce n'est pas pour autant que tu as raison. Vous comprenez? Et si tu es de nature colérique, le résultat, le dialogue dans le couple va disparaître. La colère tue le dialogue. Que cela soit la femme ou l'homme. Et je peux vous dire, vivre sans dialogue, c'est pas possible. Deux personnes qui vivent ensemble sans qu'il y ait dialogue, ça ne peut pas marcher. Donc, autrement dit, la colère détruit un mariage. Vous pensez avoir raison parce que votre femme s'est tue. Vous pensez avoir le dessus. Mais en réalité, vous n'avez pas le dessus. En réalité, votre femme s'est tue, elle subit. Et le pire, la femme va vivre une frustration. Elle est frustrée. Et surtout si elle est convaincue à tort ou à raison que sa cause est juste. Et ça dépend de vous, messieurs. Est-ce que votre but est de dominer une femme malheureuse
où votre but est de vivre avec une femme heureuse. Comme je dis toujours, aimer, ce n'est pas au lit qu'on aime une femme. Aimer, ce n'est pas les cadeaux. Aimer, ce n'est pas les belles paroles. Aimer, c'est tout un comportement, une attitude intérieure. Quelqu'un qui t'aime va chercher ton bonheur, voyez. Et quelqu'un qui t'aime va chercher en premier lieu ton bonheur. Alors, si tu prétends aimer ta femme, normalement, tu dois chercher son bonheur. Il y a un jeune homme qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, « Bishop Eli, le conseil que tu as donné sur la colère m'a beaucoup appris. Je suis un homme très, très colérique. Maintenant, j'ai appris que quand je sens la colère monter, je prends la clé de la voiture, je prends ma voiture, je vais faire un tour. » Et bien, les problèmes aussi qui se posent parfois, certaines femmes, quand le monsieur te dit « on arrête là », tu ne veux pas arrêter. Que cela soit la femme ou l'homme, quand l'épouse ou l'époux te dit « on arrête là parce que je vais exploser », il faut apprendre à respecter cela. C'est très important quand quelqu'un arrive à la limite du supportable, la tension intérieure est très forte, il sent qu'il va péter un plomb, il te dit « on arrête là ». Malheureusement, certaines femmes ne s'arrêtent pas. Ou certains hommes ne s'arrêtent pas par orgueil. Et parfois, il amène l'autre à prendre des positions regrettables. Et j'aimerais vous dire une chose. N'agissez jamais sous la colère. Pas seulement agir. Ne parlez pas sous la colère. Quand on parle sous la colère, des fois nos propos sont trop durs. Des fois nos propos ne sont pas mesurés. Et en général, on regrette toujours tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait sous la colère. Des fois, on prend des décisions mauvaises sous la colère. Quand vous sentez la colère, prenez le temps de vous taire. La sagesse veut que quand vous êtes dans vos états extrêmes, il faut prendre aucune décision. Il faut laisser passer la tempête. Et une fois que la tempête passe, vous pouvez vous décider. C'est très important. La plupart des fois, on regrette toujours tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait sous la colère. Mais malheureusement, parfois, on fait plus du mal aux gens que nous aimons, nous détruisons par nos mots et par nos gestes les gens que nous aimons réellement parce qu'on n'a pas su se maîtriser. Voilà la réponse à ma question. N'agissez jamais sous la colère. On va voir maintenant une autre question qu'on m'a posée. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Voici encore une question d'un téléspectateur. Comment faire pour être délivré, pasteur? Je constatais que depuis que un homme est passé dans ma vie sentimentale est bloquée. Depuis que je connais cet homme, avant de partir, il m'a dit que je n'aurai plus personne dans ma vie, que je ne referai plus jamais ma vie. Et j'ai constaté que c'était vrai. Chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, j'étais correct, mais le monsieur finissait toujours par partir. Quoi faire, pasteur? C'est une question qui revient souvent. Écoutez, madame, je vais répondre à ta question pour te dire que certaines personnes, quand ils rentrent dans votre vie, ils ne viennent pas seuls. Ils viennent accompagnés par certains démons. Et je sais de quoi je vous parle. Hein. Et bien sûr, tous les entiers savent que ça existe.
Le charme existe. C'est quoi le charme? Le charme, c'est faire la sorcellerie afin qu'une femme puisse tomber amoureuse de vous en dehors de son plein gré. Ou qu'un homme puisse tomber amoureux de vous en dehors de son plein gré. Moi, j'ai pu voir cela de mes yeux. Vous savez, quand j'étais tout jeune dans mon quartier, on devait avoir 7 ans, 8 ans. On était vraiment des jeunes. Et je vis un jeune garçon charmer une fille. Et je peux vous dire, ce jeune homme, il l'a fait devant moi. Il a mis du parfum dans son bras. Il m'a dans sa main. Et il m'a montré que cette jeune fille-là va s'intéresser, serait amoureuse de lui. Et je peux vous dire, ce sont des copines avec lesquelles on jouait. Avant, cette fille ne calculait pas ce garçon. Même parler, rien du tout. Mais dès le jour où ce jeune homme a mis ce parfum dans sa main, il a salué cette jeune fille. Je peux vous dire, j'ai vu de mes yeux cette femme, cette jeune fille être transformée, devenir malade, amoureuse. Je l'ai vu de mes yeux. Donc, l'esprit de charme, ça existe. C'est quoi charmer quelqu'un? Charmer quelqu'un, c'est envoyer un démon dans une personne. Et le démon a un seul but, de rendre la personne amoureuse de vous. C'est que le démon va faire penser la personne à vous. Le démon va faire un travail dans la personne pour que la personne pense toujours à vous. Que la personne, il va faire un travail dans la personne. Mais le problème des esprits de charme, quand vous charmez quelqu'un, une fois que vous avez fini, le démon reste dans la personne. Le démon reste dans la personne. Et parfois, la personne aura du mal à refaire sa vie. Parfois, la personne aura des blocages dans sa vie parce que cet esprit de charme est resté. Comme je dis, le diable sait détruire et ne sait pas construire. Les marabouts peuvent charmer une personne mais ne savent pas désenvoûter. Je peux vous dire que Satan ne chasse pas Satan. C'est ce que dit Jésus. Hein. Satan ne chasse pas Satan. Si vous voulez être désenvoûté, il y a seulement un homme de Dieu. Si vous allez voir un prêtre vaudou ou un sataniste pour qu'il vous désenvoûte, vous êtes en train de perdre votre temps. Il peut déplacer les problèmes, mais il ne va pas résoudre les problèmes. Vous voyez, les démons du charme ne peuvent partir qu'au nom de Jésus. Et je connais plein de femmes comme ça qui ont été victimes des charmes. Je crois que c'est possible, madame, que tu as été envoûtée. Il y a le charme, il y a aussi l'envoûtement. Et un homme peut faire la sorcellerie pour que tu ne refasses pas ta vie par méchanceté, par jalousie. C'est pour cela, il ne faut pas se mettre avec n'importe qui. Il ne faut pas se mettre avec n'importe qui, ce n'est pas un jeu la vie. Il faut faire très attention. En vivant avec n'importe qui, si vous vivez avec un psychotique multirécidiviste, vous pouvez même perdre votre vie. Vous pouvez même perdre votre vie en vivant avec n'importe qui. Il faut faire très très attention. On vit dans un monde qui est devenu de plus en plus très 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 dangereux. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez besoin de délivrance. Moi, je connais une femme comme ça qui m'avait dit la même chose. Elle avait en elle un esprit mauvais que les gens appellent souvent Marie de nuit. Marie de nuit, c'est rien d'autre qu'un esprit mauvais. Et chaque fois qu'elle rencontrait un homme, cet esprit combattait cet homme. Ou le rendait malade. Le monsieur se sentait bizarre. Les démons combattaient cet homme-là parce que l'esprit, le mari de nuit, était jaloux de la femme.
Chaque fois que cette femme rencontrait un homme, ça s'est terminé toujours mal. Mais il a fallu qu'on chasse ces démons, qu'on fasse la délivrance. Et cette femme-là, une fois que les démons sont partis, elle a pu refaire sa vie. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les démons. Vous voyez, c'est une promesse de Jésus. Et Jésus-Christ s'est dit encore, je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien comme rien. Donc lorsque nous avons Jésus dans nos vies, rien ne peut nous nuire. Parce que Jésus va nous protéger. Jésus va nous garder. Jésus a donné aux chrétiens le pouvoir sur toutes les puissances des ténèbres. Il n'y a aucun démon qui ne puisse résister à Jésus-Christ. Alors, madame, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de venir à l'église. Je vais prier pour toi. Nous sommes tous les dimanches à 10h à Hero Hotel Fresnes ou Orly, à 10h ou à 14h30. Soyez bénis, à bientôt. On va passer à la dernière question. Alors, j'ai une dernière question qui est une question très, très délicate. Une question très délicate. J'étais allé voir un marabout, monsieur le pasteur. Ce marabout m'a dit, pour que je sois désenvoûté, il fallait que je couche avec lui. On est sortis ensemble. Et puis, je sens qu'il n'y a eu aucun changement. Je honte de moi-même. Je me sens sale. Ce monsieur n'a pas seulement profité de mon corps, mais il m'a pris au moins 15 000 euros. Je suis sorti de cette relation ruinée. Monsieur le pasteur, je voudrais que tu pries pour moi pour enlever tout le mal que ce monsieur a laissé en moi. Eh bien, cela peut vous paraître excessif, mais c'est très fréquent que les marabouts, les prêtres vaudous, couchent avec des femmes désespérées. C'est très fréquent. Et j'aimerais parler à toutes ces femmes-là qui ont été abusées. Il y a un terme juridique. On appelle ça viol par manipulation. Viol par manipulation, c'est manipuler une femme, coucher avec elle, non par amour, non parce qu'elle veut l'acte sexuel, mais simplement parce que tu l'as manipulé. Ça s'appelle viol par manipulation. Que vous ayez 40 ans, que vous ayez 50 ans, que vous ayez... vous pouvez porter plainte. Alors, je demanderai à cette femme-là de porter plainte pour que ces voyous aillent en prison. Parce que des hommes qui se comportent comme ça, ce sont des hommes qui ne s'arrêteront pas. Ils ont pris plaisir à abuser des femmes. Le pire, c'est que ces gens-là n'utilisent aucune protection. Ces genres d'individus n'utilisent aucune protection. Imaginez-vous qu'ils couchent avec différents clients et qu'ils n'utilisent aucune protection. Et combien de gens il va contaminer avec ses maladies. Je vais demander à toutes les femmes,
que tu as rencontré, que cela soit un pasteur, bien que ils sont rares, mais il y en a quand même aussi qui utilisent les mêmes arguments, un marabout, un sorcier qui t'a dit pour te délivrer ou pour te faire quelque chose, il faut qu'on aille au lit. Il t'a menti. N'ayez pas honte, il faut porter plainte. Je vous en supplie. Je vous en supplie, portez plainte pour mettre fin à ce comportement. Parce que ces gens-là sont impunis. Ils sont impunis. Et si vous n'avez pas le moyen de porter plainte, appelez-moi sur mon portable. On va vous assister. Vous devez porter plainte pour que ces gens-là arrêtent de détruire la vie des gens. Ça s'appelle, en termes juridiques, viol par manipulation. Et bien sûr, vous avez besoin d'une délivrance. Parce que ces gens sont des satanistes. Quand vous allez au lit avec une personne, vous devenez une seule chair. Et parfois, il dépose pas seulement sa sémence en toi. Parfois, il dépose des malédictions. Parfois, il dépose des choses diaboliques en vous. Et quand vous avez à faire ça, il faut voir un homme de Dieu pour qu'il vous fasse une délivrance sérieuse afin que tu aies une vie normale. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon émission. J'ai répondu à toutes vos questions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu réalise vos rêves. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous souhaite bonne année 2024. Que Dieu réalise vos rêves. Rapprochez-vous de Dieu. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens.
Saint-Esprit, viens. Nous t'invitons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Grâce se efface toute mer.